Michel Fayad, qui est responsable musée WOM, musée Saint-James, en tout cas. Michel Fayad est nous pas qu'à présenter, puisque presque toute Martinique connaît les à présent, puisque sans Michel nous a retrouvé dans l'espace mode économique, culturel Martinique. Et les m'a parlé l'espace, ça a fait Marie, parce que c'est un des animateurs, ça a créé l'espace Foissantilly. C'est aussi un Michel qui mettait debout la fête de fin de récolte, la fête du Rhum. C'est un Michel aussi qui trésorier, ça nous a créé les rails de la canne à sud et tient partie Martinique et donc nous avons vu le causant et tout ça. Et puis c'est un Michel qui a fait un partie d'autres bails. Donc c'est l'occasion nous a pensé et que ça a été intéressant de joindre Michel Fayad et puis causer. Et puis je dis à Michel Fayad, bonjour. Bonjour. Bonjour et puis merci. Alors, Mahaba, il y a des bagues, il y a des titres tout à fait. Alors ça m'a oublié de dire, moi, ça veut quoi aussi vrai des médailles, pas ni longtemps dit ça. Mais c'est-à-dire que nous avons la médaille du tourisme en 2001. Médaille du tourisme, parce que ça n'est qu'à pas être bizarre, un monde qui a travaillé dans l'usine, nous avons pensé nous avons réussi une médaille de l'agriculture, mais sans médaille du tourisme, parce que depuis quelques temps, nous avons goûté pour montrer que Romblan, c'est un produit touristique avant tout. Romblan pas fait pour le monde en libre en dans le pays, Romblan fait pour y exporter. On l'a fait pour y représenter PIA, puisque c'est souche même pays là. Et donc, nous avons produit à peu près pratiquement 12 millions de litres de rhum par année en Martinique. Donc, objectif pour nous, c'est d'y exporter. Voilà, alors qui m'a qu estimé qu'il y a une époque, à un moment donné, on te dit quand moi Martinique, quand moi, si moi, ou moi. Et puis, petit à petit, nous avons une idée rhum, un patché rhum. Donc, Saint-James, qui vire du bout et qu'à partir des WOM, nous voyons qu'il y a tout un pan économique, culturel qui l'est à partir de ça. Donc, est-ce que ce n'est pas tant de travail pour te faire avant, mais il ne faut pas te presser pour faire venir l'été pour faire. Mm-hmm. C'est-à-dire que Adam Roumelin, il y a une espèce de l'idée souffrance, l'idée profet, l'idée Mouncatril Bichon, la Ria. Et finalement, les champagnes rivées, tout le monde dit c'est la joie, c'est la gaieté, etc. Donc tout le monde partit dedans. Et puis il y a un aspect que nous avons oublié, c'est que Fondoc pays a même parti à partir du Romblan. Donc à partir du Romblan, on peut trouver toutes sortes d'interprétations économiques. Romblan a fait partie de l'agriculture, Romblan a fait partie de l'industrie, Romblan a fait partie du tourisme, Romblan a fait partie du commerce, Romblan a fait partie de la consommation, Romblan a fait partie de l'exportation, et surtout Romblan a fait partie de culture pays à même. Si pas t'es ni rhum, franchement, Martinique pas t'es ni configuration économique, historique, culturelle, ethnique et institutionnelle, tout ça pas t'es caïné, tout bagaille à partir du rhum. Donc, ces dimensions, t'as à nous essayer, ben, je dis, mais en dimension que nous pas inventé, parce que les en Bourguignon ou bien en Bordelais, qui a parlé du vin, qui a parlé de toute souche pays, quoi. Et nous avons pensé qu'effectivement, on l'a ni en avenir au niveau de la livrée. Et ma capacité que Zotri veut faire ça très bien, parce que c'est vrai qu'on te dit, on a une mauvaise réputation, une mauvaise connotation, nègre, femme, on a senti, on a. Enfin bon, et puis alors qu'en fait, qu'on te dit, les Français qui ont parlé de champagne ou de divin, Bordelais qui ont parlé de divin, c'est une appellation pour la fière. Le Réco, c'est qui a parlé de whisky, il compte, il est fier. Et pourtant, nous t'aimons comme là, ça veut dire que ça s'est en données historiques. Que nous capons de vue, mais c'est vrai que pendant longtemps, on est resté en produit, en tout cas, qui n'a pas été conseillé ni conseillable. Exactement, parce que Romblan, déjà, nous n'avons pas aimé travailler en Cannes. À un certain moment, nous avons aimé travailler dans Rome, ça a déjà signifié qui ça, servilité, esclavage. En plus, ni en période, en l'homme, nous n'avons pas été partis dans Rome. Il faut dire les choses comme elles sont. Rome, c'est un espèce de palliatif à toutes sortes de détresse que nous avons trouvé. Et puis, nous avons oublié simplement que finalement, Rome, c'est avant tout racine pays à même. Et c'est niveau que nous avons essayé aujourd'hui. Donc, nous avons un béfil pour l'instant, Michel. Nous avons allé faire qui vont regarder qui ça l'actualité réservée bah, nous c'est mental là en pays et puis tout à l'heure nous avons viré parler mais ça veut qu'on ne pourrait parler que de Rome puisque nous bien dit à l'entour Romblan un ben, patché bagaille culturel économique social qu'a fait Martinique et c'est tout ça nous avons essayé l'on vit en l'air basant tout soir et ben, nous avons commencé par regarder ouais ça qui fait l'édit Martinique. Tu peux lycéen pour y parler en larif et bêtise entre midi et puis 2h d'après-midi. Un problème qui était capé tête professeur lycée La Pointe des Nègres. Après réflexion, y a trouvé une solution qui n'est pas plus mal. Proposer ces lycéens plusieurs activités artistiques ou danse théâtre et puis bien d'autres bagailles encore.
Nous mettons en place ces activités-là parce que nous constatons qu'il y a dans l'établissement, nous avons 3000 élèves. À sous ces 3000 élèves-là, il y a à peu près 450, en moyenne de 450 qui a mangé au restaurant scolaire-là. Nous pensons que le fait d'y mettre ces activités-là, les élèves-là qui n'ont pas qu'à manger, ils ont qu'à y rester dans l'établissement puis ils ont pratiqué un certain nombre d'activités. Et nous pensons que c'est important parce qu'en dehors de l'établissement, il y a l'eau déviance qui a fait que ces élèves-là, aujourd'hui, jouent, qu'à quitter l'établissement et puis ils ont qu'à virer dans des situations qui n'ont pas... qui n'est pas très propice pour le reste de la scolarité. Voilà, Michel Fahad, je me rappelle qu'avant nous, tu trouvé dans le monde économique de la canne, du rhum, du sucre. Hein, bon, c'est un qui a fait l'école, donc puisque tout autre, ou sensible à son fini, voilà. Oui, ça rappelle mon pile, effectivement, parce que la jeunesse, c'est monde qui n'a plus l'énergie. Et si ou pas canaliser l'énergie, il va tomber dans l'agressivité. Déjà, il y a un manque de repères, effectivement. Bon, des fois, les parents n'ont pas trop occupé des chiots. Bon, c'est enseignants qui ont démissionné aussi. Bon, l'église n'est pas trop présente là non plus. La justice n'a pas fait au paix, la police non plus. Donc, je pense effectivement, au niveau éducation, il faut canaliser l'énergie, c'est tout là. Fait sport, fait danse, fait l'eau bagaille. Et pour yo déjà sentir qu'il y a bien dans la pouille. 9 fois sur 10 et puis au pas sombré à donner n'importe qualité, vie zèbre, vie drogue, vie bagage. Alors que nous avons gardé leur proposer ces jeunes, contrairement à ce que vous pouvez penser, leur proposer une activité, proposer quelque chose qui est intéressant, ces jeunes ont adhéré. Il n'y a qu'à adhérer parce qu'en fait, ça, il y a besoin, c'est activité, il y a besoin. Donc, finalement, au lieu de courir dans la ria, par exemple, si vous mettez dans le stade et vous dites, bon, à présent, règle-là, c'est comme ça, c'est une qui courir passer l'autre, etc., vous mettez en compétition, c'est ça, il est content. Quoi, bon, apprendre à danser, vous dites, bon, ni des règles à danger, etc. Déjà, il y a qu'à apprendre à libérer l'énergie, et puis, deuxièmement, il y a qu'à apprendre les règles du jeu. Et c'est ça, ma pensée, qui est fondamentale dans l'éducation, c'est ce là. Parce que aujourd'hui, je vous manque à nous, franchement, là où mettre l'école, ou bien où professeur dans le lycée, c'est pas ridicule. Bon, ça, ben, c'est pour là qu'on prend bon faire. Ma pensée, qu'après chaque année scolaire, au contraire, il était pour qu'on ait toute la médaille, parce que quand il veut finir l'année, parce que ça veut que ça semble être qu'il est compliqué. Parce que c'est pas en sécurité, il y a eu marché. Bien souvent, c'est ce moment-là, il y a un insolent, il y a eu marché, pertinent, quoi, il y a eu un n'importe qui ça. Il est obligé de comparer par le petit moment là à parole mettre l'école là. Et très honnêtement, bon, moi j'avais un lourd enseignant comme moi à l'époque qui au presque a dégoûté. Donc bon, il n'est pas question d'y baisser les bras, c'est tout simplement essayer de garder ça nous peut faire puis jeunesse la gavinière. Parce que de toute manière, si on lève PIA, donc nous obligés de l'idée PIA. Absolument. Ben Tchembe Filou, nous allons aller là même garder ça qui fête mardi. L'énergie solaire depuis plusieurs années qui a remplacé l'énergie électrique, c'est un côté qui pend derrière Dobodji en commune Préchère. Si maintenant un agriculteur bénéficie d'installation solaire depuis plusieurs années, la région Kamete-Koy en 10 on nous dit au diapason pour développer qualité modèle énergie tala. Nous isoler, là nous pend. Et pour nous développer communément, pour cette touriste la peut monter, il faut donner un petit la glace à dans un veillot. Alors nous sommes obligés de faire ce calque va être. Et c'est l'agriculteur à besoin de ça. Voilà, c'est l'agriculteur a pardon, besoin de ça, il y a besoin de l'énergie solaire, il y a installé des côtés qui n'est pas accessible pour faire ça travailler. Alors nous, Michel Fayad, nous Martinique, ni la mer, ni vent, ni soleil. Et pourtant, c'est des énergies. L'Améa, c'est une énergie aussi, puisque force vague là, il y a quand même fait des bails et puis dans certains pays. Et pourtant, Martinique, tu ne vas pas utiliser ces énergies. Ne serait-ce comme M. Dekafinidia, eh ben, nous, dans un pays à vocation touristique, c'est des énergies peut-être qui te permettent de nous utiliser différemment. Peut-être qu'ils savent trouver des bails qui intéressent le monde. Surtout énergie solaire, là, nous, dans un pays soleil quand même. Donc, logiquement, c'est des bails qui étaient pour marcher rond de rond, quoi. Nous avons utilisé bagasse là dans Romelan qui est en énergie finalement qui a fourni l'électricité à niveau talent, mais moi quoi il faut que nous cherchions le maximum d'imagination en matière d'énergie pour nous arrêter qu'à tourner dans l'usine Bellefontaine qui a marché au fioul quoi et au gazoil, c'est-à-dire les éoliennes, les énergies du vent, les énergies solaires, les énergies de la bagasse, les énergies bio quoi, ça veut dire toutes ces baguettes là.
et ça sent ni fort pour nous faire l'école nous-mêmes. Hein. Voilà, ça c'est certain que c'est pas ni ou ni moi qui ai des réponses là, ça c'est des réponses politiques. C'est des réponses politiques. Essentiellement politiques, développer ces énergies là. Et puis c'est en volonté en plus. Et moi je pense qu'à terme, c'est des bagages qui sont très rentables en Martinique. Nous pouvons servir de laboratoire d'analyse pour toutes ces qualités énergie là, quoi. Il y a le monde qui comprend que c'est faut que le soleil brille 24 heures sur 24 pour une énergie couleur, ça n'a pas vrai pièce, ni monde qui a fait énergie solaire dans les pays tempérés, en France, en Écosse, en Allemagne, tout partout. Et nous, CP, effectivement, prend ces qualités fruits de recherche, et puis mettez ici à garder ça, nous peut faire pire. Alors, pour nous virer à ce, puisque nous ne pouvons pas lire, quand même, c'est vous qui invitez nous, si maintenant là. Alors, moi, je change que vous avez des médailles, ou trapper en médaille du tourisme, ça veut dire que les professionnels, en français, nous avons ça les pères. En tout cas, les professionnels du tourisme, c'est car ils connaissent un nombre qui a fait un travail dans le tourisme là. Il y a aussi un trophée du dynamisme. Donc, ça qui fait qu'un jour vous décidez d'accord à des salaires, à notre développement touristique là, et puis permettre de nous découvrir pan culturel talanonia et puis Womla et puis Cycla. C'est-à-dire ces formations, moi au départ. Déjà, moi, c'est commerçant, donc finalement, moi, j'ai une espèce de culture d'entreprise que moi, j'ai un bécaillé quand il est par en moins. Et deuxièmement, moi, fait étude d'histoire, notamment sur l'histoire de la Caraïbe, c'est avant qu'à faire l'école pourtant. Et puis, là, arrivé à Distilia, m'a constaté que métier, t'as une histoire à dents et puis ni commerce en même temps, ouais. Donc, finalement, moi, une espèce de jonction de deux pans formation moins, et m'a trouvé que là où quand entré là, bon, agriculture là, comme on était tout à l'heure, industrie là, parce qu'il a transformé, histoire là, puisque c'est toute l'histoire pays là, ça, en les remis faites, et tradition là aussi, tout arrière pays là, qui ni l'eau typique là, qui moulin, hein, qui tonnelier, vanier, tout ça, c'est des bagailles qui plaisent en pile. Et puis cadre là même, cadre là c'est un cadre très intéressant. Et qu'en plus nous avons un produit qui est spécifique, parce que tout le monde a dit rhum, rhum, rhum. Mais mon Martinique là, ce n'est pas n'importe qui rhum. Mon Martinique là, c'est le seul rhum qui est en appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire que il faut reconnaître qu'au niveau international, que rhum noir, c'est le meilleur rhum du monde. Donc à un moment, il faut que nous vendions, il faut que nous promotionnions, il faut que nous essayions de valoriser. Or il se trouve que en disant que nous-mêmes nous pas bien apprécier quoi, nous t'es là toujours à faire manier, nous pas au moment manier. Voilà, ça veut dire que en disant que nous pas bien apprécier, mais en disant beaucoup nous n'avons pas apprécié. Exactement, mais nous t'es là brayer manier sérieux, vous comprenez? Alors comment estimer ni chaque monde là qui partit, c'est ça m'a t'es là dit responsable tout. Non, notre cas parti en France, notre cas dit nous sommes les ambassadeurs de la Martinique, mais nous à dans logique économique et commerciale, notre TPD nous sommes ambassadeurs du rhum de la Martinique, toute catégorie confondue. Alors, pour qui à partir de moment-là, justement, l'OCA dit que, et madame, et puis, que rhum, nous tibrés, nous tibrés pas ça venir. Pour qui, par exemple, Martinique, pas une espèce de confrérie des amis du rhum, qu'on nous dit la confrérie divin, confrérie champagne, confrérie calva, et bien, pas ça, bien d'autres confréries encore. C'est une espèce, pour ça, qui m'a ça à fonctionner, mais c'est des mondes qui l'a, et puis qui travaillent, c'est permettre mon. Ouais, ou blanc bien à brasson hein, à soumet et joui et puis sauvegarder, protéger. Et nous avons constaté, est-ce que c'est pas même l'idée qui en font coin tout nous en confrérie ou si vous avez la même son confrérie vagabondage? Exactement, parce que à d'un moment il y a un vagabondage, c'est ça qui va bon hein. Là vous avez parlé de divé, de gros divé, de morachet, de ouais, ça c'est tibé qui prétit tibé qui snob et qu'on s'est capable d'un produit haut de gamme, etc., à déguster avec modération. Nous depuis nous parler du rhum, l'impression ouais. C'est monde qui a nitri le bichon là, c'est ça nous a préparé. C'est pas vrai du tout. En fait, rhum là, c'est un produit qui est haut de gamme aujourd'hui, joue avec notamment le rhum vieux. Et qui est demandé à l'extérieur. Qui est demandé à l'extérieur. Parce que toutes les exportations, tout rhum confondu. Hein, absolument, qui est au même titre que les cognacs et les armagnacs, je veux dire, non, à niveau talent. Mais le problème là, c'est que nous avons un système non pas de fierté du produit, mais en espèce de susceptibilité. Si nous l'avons dit, nous y aimons, nous sommes contents. Mais si nous l'avons fait en critique, nous avons senti nous sur la défensive, considérer bon, machin. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons parlé des. Nous avons dit, ouais, des lots, nous avons parlé du rhum, nous avons parlé de l'alcool. Mais nous pas l'alcool le plus vendu en Martinique.
Martinique, hein. Oui, champagne passé au Cabo Romissia. Ça qui tout à fait bizarre. Moun Cabo whisky passé au Cabo Romissia. Donc quelque part, il faut bien nous trouver en débouché, notamment comme un cadeau, nous ni le haut de gamme de l'alcool blanc le plus vendu dans le monde, et moi pas qu'à quitter, nous ne pouvons pas exporter. Alors trophée, c'est parce que nous vivons avant Rome Saint-Germain dans 57 pays du monde. Donc ça c'est ça sent pire performance quand même. Et bien souvent, justement, il y a dit souvent dans les télévisions, moun ka parlé des trains, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, mais ni on a des sociétés en Martinique qui capotent que bien, qui a exporté, qui a essayé de valoriser bagaille là. Et qui prospère, quand il y a dit nous. Et qui prospère et qui a fait un travail d'exploitation pour un pays, ça il faut le reconnaître. Michel Fayad, tiens, Béfilo, nous, quand nous avons fait un coup de l'actualité, si maintenant, pour garder ça qui fait un pays, nous avons gardé ça qui fait mercredi. Syndicale en mobilisation générale, non seulement contre le racisme, la xénophobie et puis les idées qui véhiculées par Le Pen, nous dit faut que nous fait barrage, faut que nous combattons ça, mais c'était l'occasion aussi de dire c'est pas parce qu'il y a un mouvement là qu'il faut pas revendication des travailleurs, pas affirmer quoi. Et donc nous avons constaté là aujourd'hui que les travailleurs non seulement ont manifesté contre la destruction de la démocratie, mais pour exiger qu'ils prennent en considération leurs revendications. Parce que pour nous, c'est pas seulement aujourd'hui à 1er mai, c'est pas seulement le 5, ça qui est passé après le 5, c'est surtout ça qui est fait véritablement après le 5. Aujourd'hui, je voulais travailler car rappeler qui sont les revendications, c'est l'emploi, c'est contre la précarité, c'est pour la défense du service public, mais c'est également en situation qui a fait que demain, les politiques, puisqu'il y a une élection, périmettaient tout ça en cause. Il y a un danger dans les garanties collectives. Et le travailleur qui a rappelé les politiciens dès demain qui sont au pouvoir, qui ont mobilisé et qu'il faudrait qu'ils tiennent compte de ça. Voilà, monsieur, tout ce du canaval a pas dit, mais c'est noté bien. Mercredi 1er mai à la Rive de France, 1er mai, fait travail. En 1er mai, qui l'en état là, c'est particulier, pour les raisons qu'on sait. Donc, tu n'es 1er mai, revendication de travail mélangée, et puis manifestation anti-Le Pen par rapport aux élections présidentielles. Qui analyse ou qui a fait des débats là, puisque de toute manière, quelles qu'en soient les conditions, 1er mai, fait des travail, on s'en va pour nous parler. Mais grand mouvement à la qui a fait en France, sans nous entrer en politique politicienne, ça pour qu'on interpelle un individu courrier comme moi-même, comme tout le monde. Bien sûr, moi, regarde très honnêtement, à niveau de la baille, premier tour électoral, c'est une catastrophe. Quoi que moi, qu'à penser qu'à terme, c'est, vous savez, le nationalisme au niveau européen, ben, une pièce divine d'ouvant, donc à la limite, qu'on dit Marie-Jeanne, c'est dernier zanzoulage, les racistes nationalistes qu'a fait en France, et que c'est pas, moi, pas qu'à penser sans bagaille qui a terme ni en divini, quoi, ouais. Donc, moi, bien content que le 1er mai, tout le monde l'a rassemblé. Donc, au moins, ça permet de fédérer tout le monde dans les antennes. Ça clair. Tout le monde l'a rassemblé comme citoyen, l'a rassemblé revendiqué. Peut-être que le monde qui va descendre dans l'arrière pièce qui descend actuellement. Il descend tant et si bien que d'habitude, le 1er mai, Martinique, c'était cas entre 800 et 1000 monde. Exactement. Là, tu as 5000. Donc, après, ils ont senti la chose. Effectivement, ils ont intérêt à mobiliser Koyo parce que, regarde, franchement, manière à la patia, moi qui m'inquiète aussi. Alors, on nous bat faire pendant les shows, puisqu'on a parlé d'après le show, nous avons dit nous bat faire pendant les shows. Alors, il y a un grand débat qui a fait à présent Martinique, qu'on fonce tout, mais plus précisément, nous avons parlé Martinique, puisque c'est la nouillée. Dimanche, il y a une élection, il y a des candidats républicains, il y a un cas de défendre la République, Jacques Chirac, il y a un qu'on nous finit d'y a qui sont fascistes. Hein. Alors, on y a trois tendances pour aller voter. On y a sac à dos, pas y voter. On sac à dos aller voter blanc. On sac à dos que pour que contre Chirac. Là c'est un sursaut national pour nous voter Chirac. En boucon, c'est vers qui tendance vous devez aller. Très difficile parce que moi on t'a écouté ces boucles là, chaque monde a parlé là, effectivement, pour un bouc qui est de gauche, ou bien qui est indépendantiste, ou bien qui est autonomiste, ou qui goûte et puis Chirac depuis plusieurs décennies. Ça t'y bien red bail jeudi jour pour dire ces boucles là, bon écoutez, allez voter Chirac parce que machin. Donc moi qu'à penser que de toute façon.
ça y a les idées, ça c'est bon, nous nous bacanisons ta yvote chouac, mais fait ça zote les, puisque de toute façon, zote ni affaire, c'est pas une responsabilité des autres, quoi, zote à dans confessionnal, parce qu'il y a dans l'isolant là, c'est confessionnal, donc pas une responsabilité des autres, ceci étant dit, demain matin, ma bacanis, je mets en partie politique d'Yobourg, ma carrière, toi, dans partie, parce que vous t'es voté chouac, alors qu'on à gauche depuis longtemps, donc ma carrière estimé que ni un discours, c'est, disons, c'est leader à la KHB, et puis c'est chaque monde là. Et puis chaque monde là qui a fait, dimanche oui, arrivé, on le choix. Mais de toute façon, il faut que Blue va être là, parce que mon cadeau, franchement, à niveau de nous partit pas tête. Hein. Ouais. Surtout en pays noir. Je veux dire par là que les Le Pen commencent à mettre l'eau vacabonnage là. Il y a le monde qui commande sa carrière en bagaille, mais ça va quand même en patate. Eh bien, Tchembe Philo toujours, nous avons parlé politique toujours, puisque Koutala, c'est un bouc aussi qui est en politique la Martinique, j'avoue quand il monte, j'avoue la voix, j'en travaille, mon paye pour bien contre lui. En tout cas, Pierrot Petit qui a tiré des pieds après plusieurs années qu'on député les Nord-Caraïbes, nous avons regardé ça qui fait jeudi. Pierre Petit qui a tiré des pieds qu'on député Lino Caraïbe, il a déplacé là, bah Alfred Amon Melchelche, l'occasion pour Pierre Petit de expliquer décision devant une série militant. Député fait pour créer loi, il n'y a pas fait pour ranger bon canal, ni bon donc, Allemand qui arrive en ce moment, là, bah, il nous ouvre. Bah, parce qu'actuellement, tout le monde a demandé respect pour Martinique. Sa Martinique qui est devenue, sa Guadeloupe qui est devenue. Alors, il n'y a qu'un cadre pour y travailler actuellement. Tandis que même Martinique 4, Martinique va demander 20 millions. Vous faites qui ça? Même si vous mettez là, il n'y a pas produit en patate. Tandis qu'à présent, Martinique qui est arrivé actuellement pour lui-même, pour y'a un paquet de loi, pour y'a un paquet de droit, eh bien, à Allemand, en France, qui arrivait exactement comme c'était à l'époque de la départementalisation. Il n'est pas arrivé au deuxième sursaut, et c'est ça qui change toutes ces boucles-là. Mais ça, et que ça fait ça aussi, et puis que les pays seuls, puisqu'il faut tout le monde de l'outre-mer, d'accord. Vous savez, c'est Génie de Lys qui est le premier femme conseil général. C'est parce qu'il était bail. Bon, là, il calait suppléant allemand. Mais il a passé quasiment 10 ans qu'à tant de qu'a fait certains dossiers. Eh bien, pour il a, je vais mettre son bon bail, et puis gardez bail là bien. Ni deux plus grandes communes dans le Nord-Caraïbes, c'est Chelcher, et puis Monouche qui cabaille plus loin. Donc il faut quand même, si nous les gagnons en bagaille, que nous mettons nous qui cabaille nous plus chance gagner. Voilà, et puis Pierrot Petit, un politicien fin qui est, il voulait donner des paroles là quand même, puisque pour tout le monde qui a suivi la chose politique, nous savons que, ben, que Alfred Allemand, Patrick Jean Vioué et Jenny Delis de lui. Nous pas qu'il y ait encore nous, on laisse ça, mais quand même sentir révérence à Pierrot. Comment on dit, ni ça qui pour, ni ça qui contre lui, mais Pierrot, c'est quand même un homme qui est politique et incontournable. Ouais, Pierrot, c'est docteur, moi, elle m'a dit tout petit, mais Pierrot, c'est un bouc sympathique, quoi. Donc, finalement, d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a passé ici, hein, c'est-à-dire que, quelle que soit la tendance politique, on y débrouille, puis lequel on y des affinités, même si on n'est pas d'accord politiquement, et puis on y des affinités. Donc, j'aime bien quand même. Et c'est vrai, c'est des bougs très, très sympathiques. Donc, Pierrot, c'est un bouc. Moi, mais tout le monde a considéré presque pour qu'on ne va pas moins. Eh bien, sous même lancé à nous, quand la même partie, ouais, en bas qui passe Martinique. J'ai dit, mais ma fait pas ça sous vendredi, puisque tu n'es tellement bagaille. J'ai dit, donc moi, décalé en l'air, c'est agression mais au BA. En manière pour dire que personne ne va respecter en patate pour un pays. Là, nous allons regarder ça qui fait vendredi, et puis nous allons venir pour une discussion nous, tout à l'heure. Un service qui a bâillé mal d'eau, c'est l'expérience de Fred Montieu, mais Robert Fessy, Mentala, alors qu'il y a un homme débattu en bureau et puis en côte-là, et puis ratibrasé, tous ces joints à côte-là, selon Alfred Montieu, Boutala, il a avoué l'homme bâillé plusieurs fois, c'est pour ça qu'il n'a pas qu'à comprendre ce qui arrive à fait là. Mon constat que tout fait bien dans le pays d'Abba avant tout ou pas de bouffer. Et comme on engage à faire, on va continuer à faire puisque c'est social, social ou pas. Mais depuis tout vos petits, je dis moi, un service qui a fait mal d'eau. Et c'est ça que je me compte que l'on a un service qui a fait mal d'eau. Donc on constate que c'est tout le monde qui va essayer de faire bien et bien, c'est lui qui a revendiqué, c'est lui qui a lui contre. C'est ça qu'on a constaté. Tout le monde qui a fait un bail, il a attendu dignement, il a attendu un jour, il a eu un jour. Mais chaque fois, il y a un monde qui s'en aide, il y a un monde qui s'en aide.
Voilà, c'est des paroles qui redatent. Chaque fois, il faut que l'on la légalisation. Oui, c'est l'homme de la colère. Mais enfin, légalisation, c'est une espèce de philosophie bocaine aussi, puisque nous n'y a pas de problème que le cadeau de service qui a mal l'eau. Ça veut dire que le service en général n'a pas récolté. Mais enfin, bien au-delà de tout ça, je pense qu'effectivement, Fred Montieu n'a pas d'être content de s'arriver là, ni vous ni moi, pas d'être content. Mais au-delà de tout ça, c'est le côté civisme, le côté respect de la loi, de l'autorité, de la représentativité. En tout cas, c'est tout ça qui a parti peut-être, là, quand on a qu'on ça qu'a fait. C'est vrai, c'est un bagage qui a surpris. Ni quelques années, on va dégager les villes en main, mais on va dégager les villes en main, mettre l'école en la vie, en les mamans ou même, ou bien en les familles ou quoi. Donc, après, ils ont effectivement la partie en manière, on va savoir côté nous savons là, nous avons parti, mais nous ne savons pas côté nous qui arriver. Mais en tout cas, on a trouvé ça désolant quand même, il faut que mettre en frein ça. À terme, et puis commencer Facebook à comprendre que bon, la violence va pas mener à rien et que discussion, là on va parler, puis on va discuter, puis on va virer tout en terrain d'entente, tandis que là bas on a un coup, de toute façon il faut qu'il remette oui, et puis c'est un bagage qui n'est pas fini, c'est eu pour eu dans pour dans, et puis finalement c'est ça qui a créé toutes ces tensions dans le monde, là, des terrorismes, des bagages comme ça. Et puis nous avons surpris les propres niches nous, qui arrivent en violence, parce que vous comprenez que c'est nous assez souvent aussi. Exactement. Qui est cassé. Il reste nous un petit moment pour nous parler des deux derniers thèmes là, qui intéressent nous, puisque nous ne pouvons pas partir si nous ne pouvons pas parler de ça. Un grand projet, moi, savent que j'ai tenu les mon la musée Saint-James, qui c'est les rails de la canne à sucre. Moi, savent que j'ai inauguré en mois juin Cavini, et puis Simène Cavini, j'ai partenaire aussi, hein, parce que ça, il a créé la semaine gastronomique de Sainte-Marie, et il office touriste Sainte-Marie, partenaire, mais autres aussi, organisateur, mais autres partenaires. C'est ça. En fait, nous partenaires, toute manifestation qu'a fait sur le Nord-Atlantique, hein, puisque finalement, l'usine Sainte-Marie, c'est déjà, c'est le ciment même de la communauté samaritaine, tout le monde qui a dit, moi, tonton, moi, tante, moi, papa, moi, grand-papa, moi, qui travaille là, et à la limite, commune là, même formée, quoi, il y a dans tous les villes là. Donc, Sainte-Marie, c'est pratiquement la plus grosse commune du Nord-Atlantique par la même occasion. Donc, tout ça qui fait, nous, quand on est dedans, une semaine gastronomique, c'est l'Ozato qui a organisé ça, mais c'est vraiment des noms, soit pour prêter au musée, soit pour Bayou, etc. Donc, quand on est dedans, ça, parce que la gastronomie, ça fait partie du patrimoine aussi. La gastronomie, c'est le savoir faire, c'est les produits du terroir, c'est ni un lot bagaille comme ça, donc, et puis c'est un bagaille touristique aussi. Et puis c'est l'occasion de faire moun déguster Tibouin. C'est l'occasion de faire moun déguster, non pas seulement Tibouin, mais Tibouin produit pays à même. Hein, à la limite, si c'est boucle à pas goût, mais demain matin, c'est rien coupé de avec McDonald's qui arrive en pays à. Et puis c'est vrai que nous n'y projet train qui a relié le musée du Homme de la Manane, c'est Raïchi Menifé, nous t'es trouvé là, les mentrés, et puis nous dit comment tout va en Bouillora, qui servent la force, qui sont spécialistes du train, qui a monté train, qui a démonté train. Puis en bouc qui passionné surtout. En bouc qui passionné, donc finalement, nous canalisons passion Bouillora, et puis nous dit, bon, regardez, tes amis en Chimédifé qui a sorti l'habitation l'Union pour Yves Limbé, nous quand déterré Chimédifé, nous avons mis en train l'air, puis nous avons fait un projet touristique. Donc nous demandons l'Amérique Sainte-Marie, bah, non, coup de main, non, bel coup de main. Le FIDE a un bel coup de main. Ils ont monté en association. Et puis nous montons en association en 1901. C'est moi qui trésorier, Serge, c'est président. Et puis nous faisons projet, nous. Quoi. Donc projet a fédéré bon Tibouin Moun, sauf qu'effectivement, nous tenions un petit problème au dernier moment. C'était le problème musée de la banane, là, qui tenait des difficultés financières, donc qui tirait quoi dans le projet A. Ça fait que nous perdons quand même un des fonds européens par rapport à justement par anticipation privée avec Pateka qui Pateka Vigny. Mais nous avons inauguré le premier tranche là, et puis là, on nous a frappé parce que le musée du Homme n'a pas participé à dedans, et puis deuxième tranche là, qui est venu en 2002. Donc ça veut dire le fait que justement, vous êtes dans partenaire financier, ça n'a pas carrément été en cause projet A, et qui est fait, parce que c'est un bel projet. Non, ça n'a pas carrément été en cause projet A, parce que pour nous, c'est un projet régional, c'est un projet pour le développement du Nord-Atlantique, c'est un projet, nous avons estimé, qui est touristique, etc. Vous savez, nous avons commencé à Niassi, puis à Faï, Bonzan, les plages Cocotier, Club Méditerranée, ils ont bien besoin, ouais, comment dire, ces gens-là qui vivent, comment dire, ces gens-là qui travaillent, qui histoire. Yo qui culture, yo qui produit, yo qui vend, etc. Et moi, je pense que le tourisme, ça, c'est l'avenir de demain. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est nous qui avons raison. Michel Fayadléa était donné pour mission Zabout. En dernière question, répondez-moi en trois réponses, en trois mots. Ben, mon nouvel espace, vous sentez, qui là aussi, qui a vivre.
L'espace France Antilles, hein, vitrine des artistes martiniquais sur le monde touristique. Ça veut dire que nous constatons que l'eau touriste qui a vécu ici, mais pas qu'à jamais savoir qui ça artiste qui a créé, qui ça a chanté, qui ça a dit, qui ça a compté. Donc nous, on y qu'on nous a arrivé à peu près 100 000 touristes dans le pays. Nous, associés que nous et puis France Antilles, nous disons, bon, messieurs, les autres cabarets ont ton invitation et puis promotion. Hein. Nous cabarets site là et puis entretien et puis espace là et puis achat l'enjardin là et puis tout le monde là qui a trouvé taille. Et puis la vie qui a fait des très belles manifestations là, c'est vrai que c'est des manifestations, défilés, mode, la petite, il y a tout quanté. Et puis nous avons invité les amis de la Caraïbe. En ce moment, nous n'y Wilfredo là, mais puis un certain nombre de pètes cubes là qui a explosé. Ils ont inauguré ces maintenant. Et si maintenant, tiens même quoi. Michel Fayade, merci en chahi. Ok, c'est moi qui ai bien. Nous avons viré par l'autre fois, parce que nous c'est Burkina pas de bail pour dire les pays. Ah ouais. Quant à moi, je dis que nous finirons rétroviser pour 6 mètres là. Nous avons viré la semaine prochaine pour un autre rétroviser. On souhaite à la semaine prochaine.